Avec un verre d'eau, vous allez apprendre à gérer votre stress. Bonjour, je suis Lionel de One Chronic Show, le blog des graines d'humoriste. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question de Michael. Il a un problème de stress, il a le trac, il a plein de choses qui l'embêtent et il ne sait pas comment faire. Alors pour répondre à cette question, je vais me servir d'une expérience qui a été faite il y a quelques années par un psychologue. Avec un simple verre d'eau, il a fait comprendre le stress. Selon vous, combien pèse ce verre d'eau? 20 grammes, 30 grammes, 40 grammes, voire jusqu'à 200 grammes. Et en fait, la réponse, elle n'est pas là. Le problème du verre d'eau, ce n'est pas le poids qu'il fait, c'est le temps que vous gardez ce verre d'eau dans la main. Pourquoi? Puisque au fur et à mesure que le temps passe, vous allez commencer à sentir votre bras qui va s'engourdir. Le verre d'eau va devenir de plus en plus lourd, non pas à cause de ce qu'il contient, parce que vous gardez votre verre d'eau très longtemps. En fait, le stress et les inquiétudes, c'est un petit peu comme ce verre d'eau. Ça s'accumule, ça reste. Et si vous ne les oubliez pas tout de suite, au fil du temps, vous allez commencer à sentir une lourdeur, à être de moins en moins bien. Le conseil de ce psychologue, c'est justement, faites en sorte de poser votre verre d'eau, comme ceci. C'est-à-dire, lorsque vous avez une inquiétude, lorsque vous avez du stress, lorsque vous avez quelque chose qui vous empêche d'avancer, essayez de régler le problème le plus rapidement possible et ne laissez pas traîner les affaires. Parce que sinon, vous risquez d'aller à l'échec et tout droit dans le mur. Il y aura d'autres vidéos sur la gestion du stress. En attendant, vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Moi, je vous souhaite bon courage et à bientôt sur onechronicshow.com.